Alors, je voudrais saluer tous ceux qui me prennent en marche. Moi, je suis quand même quelqu'un qui dit la vérité. Et je crois que les faiseurs de coups d'État ne devraient pas être amis à la Côte d'Ivoire. Alors, moi, quand je regarde ce qui se passe dans mon pays, je dis que ça a été une erreur politique de recevoir Paul Damiba-Henry en Côte d'Ivoire. On ne devrait pas recevoir les faiseurs de coups d'État en Côte d'Ivoire. Alors, le président, l'homme qui se fait appeler président de la République du Burkina Faso, l'homme qui se fait appeler président de la République du Burkina Faso et qui a décidé de venir en Côte d'Ivoire pour s'inspirer du modèle de sécurité, mais ce que je ne comprends pas, vous avez fait un coup d'État, vous avez renversé un régime au Faso, au Burkina Faso. Alors, vous renversez un régime et vous n'avez pas d'expérience en matière de sécurité, alors que vous avez renversé Roch Kabore parce que vous estimez que vous avez les qualités pour apporter la sécurité au Burkinabé. Maintenant, vous renversez Roch Kabore et vous venez en Côte d'Ivoire pour apprendre la sécurité. Mais moi, je dis que la Côte d'Ivoire n'a rien apporté à des gens qui ont déstabilisé leur pays. La Côte d'Ivoire ne devrait même pas recevoir les déstabilisateurs. La Côte d'Ivoire ne devrait même pas recevoir quelqu'un qui a humilié son président, qui a humilié son peuple et qui a pris en otage l'armée de son peuple, de son pays. Alors, Damiba Paul-Henri qui est arrivé en Côte d'Ivoire là, mais on n'avait pas besoin de lui. Et j'ai dit, c'est une erreur de la part de mon pays de le recevoir. Tous ceux qui ont troublé leur pays là, on ne doit même pas faire amitié avec eux. Moi, un Vatanguer, je n'ai pas besoin de son amitié. Oui, le président Alassane Ouattara a très mal fait. Et ça, moi, je le dis honnêtement. Vous-même, vous savez que moi, Kéi, là, quand je dois dire quelque chose, je dis. Et j'ai dit, ça a été une erreur politique de notre part de recevoir Paul Damiba-Henry en Côte d'Ivoire. Alors, les Burkinabés aujourd'hui diront donc quoi? Qu'est-ce que les Burkinabés diront si Paul-Henri Damiba vient en Côte d'Ivoire et veut apprendre auprès d'Alassane Ouattara? Pourquoi Alassane Ouattara pourra donc se rendre disponible à des faiseurs de coups d'État? Non, on n'a pas besoin d'un faiseur de coups d'État. Et j'ai dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit s'abstenir d'avoir des relations avec des troubleurs, des semeurs de troubles à l'ordre public, ou du moins des violeurs de l'ordre constitutionnel dans leur pays. Damiba fait honte à l'Afrique. Paul-Henri Damiba est une honte pour l'Afrique et est une honte pour le modèle de démocratie que nous avons. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient par les armes au pouvoir ne devrait pas faire l'objet d'un soutien. Alors, la récente visite du preneur d'otages au Burkina Faso en Côte d'Ivoire était donc de s'inspirer de la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu sais que tu ne vaux rien là. Pourquoi tu fais un coup d'État? Tu sais que tu n'as pas les qualités en matière de sécurité. Bon, maintenant tu fais le coup d'État. Ça, c'est pourquoi? Bon, mais tu fais un coup d'État et tu viens apprendre la sécurité en Côte d'Ivoire. Et mais les autorités de mon pays aussi se sont permis de recevoir Paul-Henri Damiba au prétexte que nos deux pays doivent avoir des échanges. J'ai dit, échange là, on ne peut pas attendre à ce que le régime, le prochain régime qui sera élu démocratiquement, vienne apprendre pourquoi on veut échanger forcément avec un faiseur de coup d'État. D'ailleurs, Paul-Henri devrait se concentrer sur les élections. Oui, au Burkina Faso, il faut qu'il y ait des élections pour que un nouveau président, issu de la volonté du peuple, prenne le pouvoir. Alors, j'ai dit, mais où je suis arrivé là, je ne suis pas content. Mais donc, non, Paul Damiba-Henry n'aurait pas dû mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Et je suis très triste et je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai dit, mais si Paul Damiba a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, c'est qu'Assimi Goïta un jour viendra aussi en Côte d'Ivoire. Oui, comment on appelle Assimi Goïta viendra en Côte d'Ivoire. Si tous les faiseurs de coups d'État peuvent se promener d'un pays à un autre pays, mais je dirais donc que ces pays qui ouvrent leurs portes aux faiseurs de coups d'État sont en réalité des pays qui vraiment les soutiennent. Et je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit un soutien d'un gouvernement de transition. Alors, la transition devrait se faire dans les urnes. La transition devrait se faire dans les urnes. Ceux qui ne veulent pas aller dans les urnes et qui imposent une transition militaire à leur peuple, mais ce sont des voyous. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, même dans mon pays, la Côte d'Ivoire, ici, là,
Si un jour il y a un coup d'État, ce que je ne souhaite pas, mais je ne serai pas du côté de celui qui va faire un coup d'État dans mon pays. Et d'ailleurs même, je ne suis pas pour le coup d'État. Alors, la Côte d'Ivoire devrait normalement rester sur sa position, celle de s'opposer à tous les faiseurs de coup d'État. Mais quand je vois mon pays, la Côte d'Ivoire, pactiser, ou du moins sympathiser avec la transition du Burkina, alors vraiment, je me sens alors donc triste. Oui, oui. C'est triste. Le véritable président actuellement du Burkina, là, il s'appelle Roch Kabore. Si la Côte d'Ivoire ne peut pas aider les Burkinabés à retrouver l'ordre constitutionnel, c'est pas la peine d'encourager les faiseurs de coups d'État. Quand un faiseur de coups d'État se retrouve dans notre pays, dans le but de pouvoir apprendre la sécurité, il dit, mais là, il y a quand même un dysfonctionnement. Oui, donc le président Alassane Ouattara, donc il est devenu le collaborateur des coups d'État. On ne peut pas et on ne doit pas le faire. Et j'ai dit qu'il ne faudra plus jamais qu'un faiseur de coups d'État soit reçu dans notre pays et de succomber au palais présidentiel. Non, Assimi Goïta n'a pas, Assimi Goïta ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Doumbia Mamadi, pareil aussi pour M. Paul-Henri qui ne devrait pas venir en Côte d'Ivoire. Donc quand je vois tout cela défiler autour de la Côte d'Ivoire et entrer en Côte d'Ivoire, j'ai dit mais c'est une erreur de stratégie et même c'est une erreur politique.